Bonjour la famille, Lolo Beauté se moque d'elle, de la poitrine de Amon Chic. Je vous laisse écouter. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Quand tu fais une chirurgie, ma mère, il y a une gaine qu'on te donne, tu dois porter. Et il y a une corde ici là, ça permet de faire descendre un peu les seins. Donc il faut toujours mettre la gaine là. Voilà, il y a quoi? Je taquine ma coach. Si tu es fâché, va chier. Moi, ma bouche, elle est sale. Donc, tu fermes ta gueule et puis tu m'écoutes. On est en train de se taquiner ici. Voilà. Donc, il y a une gaine qu'on met là. Faut jamais enlever quand tu es à la maison. Dors avec ça. Réveille-toi avec ça. Ne laisse jamais ça. La gaine qui est en haut ici là, c'est vrai, ça étouffe. Parce que moi, j'ai fait. Quand tu mets, comment on appelle ça, ta gaine des seins. Il y a toujours une autre gaine. On met ici, là, c'est pour plaquer en haut, là. Pour que ici, là, ça puisse descendre. Donc, ce que vous voyez pour la coach, là, ça va descendre après. Si et seulement si, elle maintient la gaine qui est en haut, là, pour faire descendre. Et les personnes qui n'ont jamais fait chirurgie, elles aussi s'élèvent aussi pour venir parler. Venez parler à la spécialiste de chirurgie. Sinon, quand tu fais tes nichons, là, faut jamais négliger la gaine des seins là. Surtout ce qu'on met en haut là. Ça là seulement, faut jamais négliger. Parce que c'est ça qui permet de faire descendre. Regardez-moi là, je n'ai pas porté de soutien. Regardez un peu. C'est naturel. Tu n'as même pas, si tu ne dis pas que je n'ai pas fait là, tu ne peux pas savoir. Parce que ce n'est pas en haut. C'est à son juste milieu. C'est comme ça, ça est. Maintenant, le ventre là. Quand vous partez faire là, vous êtes pressé. Ouais, clairement, vous voulez forcément sortir. Faut toujours mettre la gaine. Surtout nous qui avons fait les enfants là. Notre ventre qu'on fait là. Il faut toujours mettre la gaine. Tu vois pas comment mon truc est à midi pile. Tu vois pas comment c'est à midi pile. Moi, je porte un soutien. Mais c'est toujours là. Tranquille. Ils avaient raté ça en Tunisie là-bas. C'est mon chirurgien qui est venu remettre tout ça en place. Tellement qu'en Tunisie là-bas, ils sont nuls. Et ce qui est mauvais en Tunisie, une fois qu'ils te ratent là, toi tu commences à pleurer. Tu es en train de calculer ton argent, comment tu as payé encore billet d'avion pour aller encore là-bas, pour qu'on puisse rattraper ce qu'ils ont gâté là. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que Lolo Beauté était-elle obligée de faire ce genre de réflexions à Amon Chic pendant son live? Tout en sachant que depuis les opérations de Amon Chic, elle subit pas mal de critiques vis-à-vis de sa transformation. Alors, toi, en tant qu'influenceuse, était-elle obligée de rajouter une couche à cela? Comment Coach Amon va-t-elle les prendre? Les réseaux sociaux, c'est un monde de requins, chacun pour soi. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au petit pic de Lolo Beauté, même si elle semble dire que c'était pour s'amuser. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.